de retour dans Naxxramas. Nous sommes sur Stone, vous êtes en polygame et il ne reste un boss à faire dans le quartier militaire. Les quatre cavaliers sont mes plus puissants chevaliers de la mort. J'ai hâte de les voir en action. Dernier boss donc de ce quartier. Anduin contre les quatre cavaliers. Nous réduirons vos os en poussière. La lumière nous apportera la victoire. Et on sort un deck un peu spécial, car c'est un deck, on va dire, axé sur la provocation. On va laisser parler. Rebroussez chemin tant que c'est encore possible. Enfin, Zeliek, amusons-nous un peu. Assez jacassé ! Qu'ils viennent ! Allez, viens te battre, mauviette ! Donc, pour rappel, les quatre cavaliers dans le raid de Naxxramas sur World of Warcraft, une seule carrée, ils sont au centre. Quand votre aide rentre, les quatre cavaliers se séparent, ils vont chacun dans un coin. Et l'idée, c'est de faire des mini-groupes dans ce raid, et que chaque mini-groupe s'occupe d'un des cavaliers. Mais il faut lancer le combat en même temps et essayer de finir les cavaliers en même temps. Ça fait des effets spécifiques, voilà. Après, bon, les noms des cavaliers, ça peut vous parler, hein, Dambloumeux, Tindurtaz, Sir Zeliek et Baron Wyfendre qui est en haut. Baron Wyfendre, donc on est... C'est le plus connu. Il se trouve aussi à Stratholm. On peut looter sa monture d'ailleurs. Et par la suite, il est parti sur Naxxramas, qui est donc la nécropole qui se baladait au-dessus de Stratholm. Et après, Naxxramas est parti en désolation des dragons en Orphandre. Nous, on est donc sur Hearthstone. Et là, la strat, c'est que. On peut pas attaquer le baron Wyfendre en fait. Tant que les trois autres sont sur le terrain, on ne pourra absolument pas attaquer le baron. Donc là, il a mis un petit secret, c'est sûrement une rédemption. Donc si jamais un meurt, il reviendra avec un point de vie. Donc on joue un deck prêtre provocation. On va voir ce que ça donne. Content. On a une carte intéressante là, on va la sortir après. Mais en attendant, on continue de jouer avec les provocations. Si on sort cette carte, on va pouvoir gagner rapidement. Peut-être. Il y a toujours du peut-être. Il fait la même chose que nous. Il est malin. Alors, est-ce qu'on fait le fichou ou pas? On fait le fichou. On va voir ça de suite. Et là, on a mis au silence tous les serviteurs. Ça veut dire que on peut l'attaquer directement. Sans passer par eux. Ce qui peut faciliter la tâche. Par contre, il va falloir continuer à mettre des provocations. Parce qu'en attendant, mais notre vie descend quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut faire ça, on peut faire du 5-2, on peut faire ça, on va virer son arme aussi, j'aime pas son arme. Et ça du coup ça ne sert plus vu qu'on a déjà mis tout au silence. Il s'est éliminé un de ses coéquipiers. On va sortir la provocation. Et en plus de ça, on va lui mettre un peu de vie. Vas-y, attaque-moi. Pas suffisant. On a le choix entre du silence, mais bon, ça ne sert à rien. Infliger des points de dégâts à tout le monde. Ou plus de PV, piocher une carte.
Moi, j'ai envie de faire ça. C'est pas grave, il a comme point de vie. Et en plus, on lui met... Hop, on fait rien, on attend. On attend. Ah mince, il est revenu. Donc il n'est plus réduit au silence. Donc on va le re-réduire au silence. Et on peut se faire 5 points de dégâts sur le boss. Et on a gagné. C'est ça, c'est le héros. Allez, c'est parti. J'ai besoin de plus de temps. Le quartier militaire m'a déçu. De nos jours, il devient vraiment difficile de trouver de la bonne main d'œuvre. Voilà, pour cette semaine, on s'est fait le quartier militaire. La semaine prochaine, on va tenter de se faire le quartier des assemblages. Et petit à petit, on va s'approcher de Kel'Thuzad, l'ultime boss de cette aventure sur Naxxramas. En attendant, suivez Ivasson Studio partout où il y a des liens, donc dans la vidéo, dans la description, partout. Et on vous fait des bisous. Demain, mardi, ce sera les rotations, donc League of Legends et Heroes of the Storm. Et mercredi, de l'un des caféinés, toujours Yakipon se rapproche quand même de la fin de l'aventure sur Ori and the Blind Forest. Il n'y a plus beaucoup d'épisodes, va falloir suivre ça. Et par la suite, la suite. Donc, à la suite. Et à toutes, et voilà. Bisous, ciao.